en s'y prenant assez tôt. En l'emmenant régulièrement voir l'ophtalmologiste, s'assurer que l'enfant porte les lunettes aussi souvent que nécessaire. Il y a des solutions justement qui existent. Ça peut être des lentilles de jour, des lentilles de nuit, des collyres que l'on met dans l'œil pour ralentir la myopie. Il y a aussi des verres qui vont permettre de corriger la myopie, mais aussi de contrôler son évolution. Oui, c'est suffisant. Non, il faut avoir la correction adaptée. Alors, les verres standards corrigent très bien la myopie au centre du verre. En revanche, au bord du verre, ils peuvent être responsables, en tout cas favoriser, dans certains cas, l'évolution de la myopie chez l'enfant. C'est la raison pour laquelle il est plutôt préférable d'avoir des verres spécifiques qui corrigent et à la fois qui contrôlent l'évolution de cette myopie. La partie centrale du verre Zeiss Meyerhofer corrige parfaitement la vision de loin. Et sur la périphérie du verre, la lumière arrive un petit peu avant la rétine pour justement freiner la croissance de l'œil et donc limiter l'évolution de la myopie. Et pour optimiser son efficacité, il existe deux versions adaptées à l'âge.